invite tous à venir voir cette discipline dans le Lot-et-Garonne, évidemment. Ce sont souvent des épreuves nocturnes. On ne peut pas... Pourquoi? Parce que c'est souvent des pistes enherbées, des pistes en terre, et c'est pour éviter la poussière. Alors, la nuit, une fois qu'on a arrosé un peu et l'humidité de la nuit, ça empêche la poussière de voler. D'avoir mis à notre disposition des engins pour préparer au mieux cette piste pour que, mesdames et messieurs, ça ressemble à quelque chose, que le Castra Coupou va y aller un bon souvenir. Voilà, ça c'est un sport de piste. Alors hier, c'était pratiquement pas impossible, c'était très difficile, puisque les passagers et la passagère, surtout, ont mis les corps aidés parce que on va aller totalement. Bon, ça a l'air d'aller mieux. On retassera les trajectoires après. Vous voyez, avec très peu de couche à l'entrée du virage, à l'accélération. La roue avant glisse. C'est sur la roue avant glisse. Je rappelle que juste après, on va faire les concours de tir à la corde. Donc s'il y a des équipes qui veulent se présenter, je vous attends pour les inscriptions, vous pouvez venir me voir. Également, s'il y a des enfants qui veulent participer, pour l'instant, j'en ai pas beaucoup. Et voilà, c'est parti. Quelle belle figure!
faut vraiment avoir de l'équilibre pour tenir comme ça debout. Il va dans l'herbe.